Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Beringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est loupé à la lutte, il lutte propre comme un archiduc. Oncle Sam me dit Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il saute des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chute, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kulik et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Western. Le nouveau western. Modern.